Nous, on a reçu congélateur ici dans le même fauteuil où tu étais assis deux fois. Chola lui a demandé en français et en baoulé. Et puis en baoulé. Et quand elle lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe entre toi et manager confirmé? Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels entre vous deux? Il a poussé un gros soupir d'abord. Et puis il a dit, il a fait moi. Quand il a posé la question, première fois là, il a dit, bon, il fait ça. Et puis il a regardé, et puis il dit, oui, il fait moi, il fait tout le monde. Et puis vous imaginez. Notre travail, c'est pas d'imaginer, on va pas parler sur un plateau. Mais pourquoi pas? Vous dites sur un plateau, un artiste, comme vous dites, je connais ça sur un plateau qu'on baisse mon cuir. Et puis vous êtes content, vous êtes assis là, vous regardez. Moi, je suis pas pédé. Ça, c'est vous qui voyez. Je suis pas pédé. C'est bien sûr, il dit que ça dépend de tout autour de lui. Il dit que tu mets les paroles dans sa bouche et puis il dit ça. Moi, j'ai pas le problème. C'est toi qui as dit à congélateur de 26 ans. Non. Quelqu'un qui vit avec lui depuis longtemps, ça fait au moins 4 ans, 3 ans là. C'est pas maintenant, on va me dire non, on vous tue de quelqu'un. Je suis pas pédé. Moi, je suis dans une famille royale. Pourquoi c'est chez nous, tu es fâché? Non, mais c'est vous qui me faites fâché. Vous parlez, mais vous attendez. On s'entend? Sortir un congélateur. On s'entend très bien. C'est lui qui a venu nous congélateur. C'est pas garçon. Congélateur, c'est pas garçon. C'est lui qui a venu nous. Oh, mais quand tu me vois là. Est-ce que c'est nous qui avons dit? Parce que tu m'as jamais vu propre. Donc, pourquoi tu vas pas voir congélateur pour lui dire arrête de raconter ce que tu racontes sur moi? Au lieu de t'acharner sur deux animateurs qui ne posent que des questions. Est-ce que je le vois? Tu n'as plus son numéro. Ah, ok. Je peux pas avoir son numéro. Pourquoi j'ai envoyé son numéro? Pourquoi? Ok, d'accord. Nous, on a le numéro de congélateur. Si tu veux, on organise une émission. Vérité, tous les deux. Moi, tu vas lui dire ce que tu penses directement. Congélateur, ce soir, dans l'émission parler. Je ne peux, ça peut jamais te faire, et puis je peux donc jamais faire. Donc, tu as peur des révélations qu'il va faire alors? Révélations, quelle est déjà les révélations? Il va dire aux gens que tu couches avec lui? Bon, s'il veut, il n'a qu'à dire à partout que je couche avec lui. Mais c'est ce qu'il dit depuis. Bon, ok, pas de problème. Fafa. Aziz Karansel, c'est ton père. C'est mon père. Bon, toi, tu es chrétien, mais tu es féticheur. Ben, Aziz Karansel, lui, il est féticheur. Non, mais. Tu peux être chrétien, puis tu peux être féticheur, puis tu marches chrétien. D'accord. Toi, tu penses que Dieu qu'elle a là, il t'a dit. Il partage pas sa gloire. Je ne sais pas c'est quel Dieu toi tu connais, mais celui que nous on connaît, lui, il partage pas sa gloire. Quand on dit que non, Aziz Karansel est féticheur. Mais tu dis c'est ton père. Mais c'est mon père. C'est que tu es son fils. Lui-même, il s'est revendiqué comme étant féticheur. Mais attends, lui, il sait qu'elle est féticheur. Alors, Aziz Karansel, c'est quelqu'un qui est. On peut dire, il m'a apporté beaucoup de choses. Ah! Quand il dit, il m'a apporté beaucoup de choses là. Oui, comment? Vous voyez aujourd'hui, mon âge a confirmé, donc c'est à cause d'Aziz 47. Quand les gens viennent s'asseoir sur le plateau, ils disent, c'est moi qui ai fait ça pour lui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il y a les choses on peut pas expliquer. Pourquoi pas, quand le petit est au village, pourquoi il ne va pas les prendre? Oui, mais il le connaissait pas. Je leur pose question, pourquoi pas quand congélateur est au village, pourquoi vous ne pas les prendre? Mais il le connaissait pas. Ah, il ne connaissait pas. Donc, Dieu est passé par toi. Et puis, il attend que Dieu n'a qu'à laver quelqu'un, puis ils vont venir prendre son quoi. Quand est-ce que vous allez vous réconcilier? Moi, il n'y a pas de problème avec eux, franchement. Parce que les gens ont décidé de nous réconcilier plusieurs fois, mais c'est Boni qui sont derrière lui là. C'est qui? Quand tu parles de Boni là, tu parles de Mais je parle, tu vois pas ceux qui sont derrière lui. Je sais pas qui c'est, faut dire leur nom. Le soi-disant, le manager, je sais pas c'est quoi, le manager, et il sort un coup, quoi, pouf, il devient manager. C'est payé ton jeté, ça te fait mal? Non, mais ça me fait pas mal. D'abord, mais ça me fait très plaisir. Même. Bon, manager, la photo sur les réseaux sociaux où tu étais à genoux devant un congélateur et les tests où il qui a filmé, qui a posté la photo? C'est eux qui ont posté la photo. C'est pas ce qu'ils nous ont dit, on dit c'est toi. On dit c'est toi. C'est moi qui ai posté la photo. On dit c'est ton boy à toi. Quel boy? C'est eux qui nous ont posté la photo. C'est quelqu'un de ton groupe qui a fait la photo. La vidéo qui passait sur la télé là. C'est eux qui nous ont envoyé. Sinon, oui, monsieur a baissé. Mais quand était autour de moi. Il avait demandé pardon à l'homme. J'étais autour d'eux. Il était encadré même. Il était encadré de eux. Il y a des choses même là. Ce Tchesco là m'a dit, il m'a parlé beaucoup de choses. Ce jour, il a insulté ma maman, il a insulté mon papa. Il m'a dit que non, que si moi je n'ai pas fait ridicule, il va me tuer. Il a dit ça. C'est eux qui ont posté la photo. C'est eux qui ont posté la photo. Il a dit, tu sais ce qu'on a dit? Quand il était au-dessus de eux là, il a dit qu'il allait me tuer, que moi je suis méchant, je suis coin. Lui, il sait comment je travaille avec congélateur. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.